Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'efface pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, Monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat! Allez-vous-en ! Oh merde ! Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Oh merde! Faut que je file d'ici! C'est loin.
Bien, nous y sommes. Monument Island. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Je suppose que même dans une zone protégée, les Blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent ? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. C'est quoi ? Ça sert. Monsieur, vous m'avez demandé de tout vous dire sur le prophète, donc voilà. Alors oui, j'ai bien remplacé tous les fusibles comme on m'a demandé. Et toutes les lumières marchaient hier. Hier soir. Oh mon Dieu! Sortez! Que tout le monde sorte! Vite! Ah! C'est une chose d'imaginer son avenir. C'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Élisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Élisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie
tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Le dressing, c'est là que je dois aller. C'est elle. Wow! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'était. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. C'est de pire en pire, ce boulot. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. La bibliothèque. Oh merde! Oh, très bien. Je peux le faire. Je veux pas te faire de mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi! C'est bien vrai? Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite! Je termine de m'habiller! Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie? Oh. De quoi vous parle? Donnez-moi ça.
Ça coûte rien d'essayer. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Par ici, venez! Appelle l'ascenseur! Hein? Mais qu'est-ce... Appuie sur le bouton! C'est quoi tout ça? Alors il me surveillait? Depuis le début. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour! Elisabeth! Qui vous a dit mon nom? Pas maintenant! Vite! Il y a une porte là-haut! Pousse-toi, je vais essayer! Dites-moi ce que vous lui voulez. Ouvrez cette porte, tout de suite. Vous allez lui faire du mal. Dites-moi ce que vous voulez. Anna! Anna! Anna. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis.
Laisse-moi juste une minute. Vous entendez ? Oh, de la musique ! Vas-y, continue. Très bien, je ferai vite, monsieur DeWitt. Elle est où? Vous avez vu une fille? Elle a une jupe bleue, non? Non. Mais je me sens un peu seule, si vous vous ennuyez. Dites, vous avez vu une jeune fille? Vous jouez les camelots? Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous auriez vu une jeune fille dans le coin? Une jupe bleue, cheveux châtains? Si c'est pas malheureux. Et si vous vous reposiez un peu, l'ami? Hé, hey, je cherche une jeune fille. Comme nous tous. Le prophète sait peut-être comment sa biographie se termine, mais j'ai vraiment du mal à lui trouver un point de départ autre que les histoires pour gamins qu'on peut voir dans l'antre des héros. Toute sa vie avant son baptême se résume en une phrase, je cite « J'étais abandonné sur l'autre rive ». On risque bien de me traiter de plagiaire, mais je vais passer les 30 premières pages à recracher les textes sacrés. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. Je veux juste une paix honnête pour un travail honnête. Les temps changent. Les gens n'ont plus aucun sens des convenances. N'en parlez pas. Un Asiatique m'a arrêté dans la rue pour me demander l'heure. Et quel toupet. Ça devrait être interdit. Ah, mais je crois bien que ça l'est. Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage. Ne comptez pas sur moi. Votre réputation vous précède.
ça, la Vox Populi. Elle pousse les Irlandais et les Noirs à la révolte. Ça commence par des grèves, et puis un jour, ils s'en prennent à votre famille. Comme Stock devrait les écraser. Comme les cafards qu'ils sont. Ah, ça, c'est la belle vie. Moi, j'ai porté le partager l'eau avec toutes sortes de gens. Ça n'a rien de très hygiénique. C'est idiot. Ils ont de ces maladies, tu n'imagines même pas. Fais un tour à Finton si tu ne me crois pas. Mère ne voudra jamais accepter ça. Mère n'a pas son mot à dire. Avec toi, mère a toujours son mot à dire. Je fais ce que je veux. Hey, oh! Hey! Hey, hey, Elisabeth! Oh, c'est vous, c'est merveilleux! Oh, dansez avec moi, monsieur Dewey! Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas. Comment on irait? C'est là que va ce dirigeable. Mais si tu veux rester et danser un peu, à toi. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Que ma femme a peur. Mais je sais pas comment la rassurer. On comme se Stock pas. Va s'occuper de la Vox Populi. S'il dit qu'il est blanc, c'est vrai. Est-ce qu'il nous a déjà déçus par le passé? Regardez ça. On devrait les laisser couler. La vraie sélection. Je ne savais pas si Darwin. Ça veut dire quoi, ça? Darwin. Charles Darwin. Hé, hey, parle pas si fort. Je vais faire de toi ma femme. Tu dis toujours ça. Il faut que tu me croies. Je ne l'aime plus, je te le jure. Vous êtes tous les mêmes. C'est sidérant le nombre d'hommes que je peux rencontrer qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça ressemble à un vrai océan. C'est juste une série de pompes et de recycleurs d'eau de pluie. C'est soit ça, soit plonger ta famille dans la honte. Il n'y a pas vraiment de bonne solution, je suppose. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. Vous savez que cette plage artificielle a été réalisée en 6 mois? Et comment tu sais ça? C'est dans l'un des livres que je vous ai lancé. Mais parfois, je les lis aussi. Monsieur DeWitt, comme Stock, j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète? Ou son regard? On peut partir. Cette petite baignade ne vous a pas fait du bien.
Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Monsieur DeWitt, là! Venez voir ça! L'oiseau? Ou la cage? Ou alors l'oiseau? Il vaut mieux la cage. Encore eux? Mais comment? Bon, peu importe. Regardez, c'est incroyable! Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. La cage à gauche. Vous êtes sûr? Certain. J'adore! J'aurais dit l'oiseau. Si c'est pour être mauvais perdant, la prochaine fois ce sera sans moi. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qui d'autre ferait... Regardez! Tu vas bien? C'était chez moi. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Pourtant le prophète ne l'a pas vu. Qui sait ce que voit le prophète? Il ne nous dit que ce qu'il veut. Allez, tout va bien. Oh, Frédéric! Il leur montrera. Il est l'épée de la vengeance. Où était son beurre pour nous protéger? Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les Handyman ne se montrent jamais quand on a besoin. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air! On écarte les doigts! Et les jambes! On bouge pas! Restez tranquille! Bon, je passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez! Regardez-moi ça! Hé! Hé, le flic! Regarde-moi celui-là! Il a l'air louche, moi, je trouve. Ah, c'est fermé. Essaie de dessouler. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'arrêter... Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Voilà. Où as-tu appris à crocheter? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Une tâche est un peu fatigante, c'est toujours pour ma pomme. Ou alors ils font tout ma... Oh. Bonjour monsieur, faut pas faire attention à moi, hein. Je raconte un peu n'importe quoi, je suis un peu fou. Un carnaval des auberges. Hey, rien que... J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. Votre domestique vous semble étrange? Essayez de lui poser des questions pièges comme... Regardez ça! Ne pensez pas que la vox populi soulève de bonnes questions. Sur le prophète? Ou... Je suis sûr que vous avez des amis dans ces réunions. Je me demande... La première fois que j'ai vu Columbia, le ciel était resplendissant. Du bleu le plus profond qui soit. On se serait cru au paradis. On aimerait mes yeux se sont habitués à la lumière.
et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement. Oh! Vous n'avez rien à faire là. Je vous conseille de partir ou ça va mal se passer pour nous deux. Je vous en prie, monsieur. Je vous connais. Si vous trouvez mal à la tombola, je vous aurais... Et sans vous, on n'en serait pas sortis vivants. Daisy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous. Et voilà, jeune fille, une barbe à papa pour vous. Achetez mes barbes à papa! Hey, monsieur DeWitt! Êtes-vous vertueux? Le pistolet parfait. Dépravé. C'est le tout dernier modèle. Le vertueux, ils ont repoussé trois fois sa sortie. Le, lui demande. Le dépravé canarde des souris tout l'après-midi et repose un fusil. Tenez, gardez ça. Attrapez, monsieur DeWitt. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur, mais je me ferai un plaisir de vous servir à boire. Merci. Comment ça, incommodée? Disons qu'elle en a un dans le tiroir, mais pas de mari. Elle devrait se faire oublier quelques mois à Finton, ou ce genre d'endroit. Et puis revenir, tout le monde n'y verrait que du feu. Prenez la pose près du père fondateur de notre nation et repartez avec un photogramme. Il a abattu un cerisier, il a franchi le Delaware. Genou à terre, il a accepté l'épée offerte par l'ange Columbia. Allez, venez tous prouver votre fidélité au drapeau et à notre beau pays. Comstock, agenouillé. Pardon? Annabelle, c'est moi, Esther. Non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Je vous jure, le service ne va vraiment qu'en s'empirant.
Pourquoi y a-t-il des toilettes pour les noirs et d'autres pour les blancs? C'est comme ça. Il faut vraiment vouloir se compliquer la vie. N'espérez tout de même pas que je vous y accompagne. Enfant, j'avais un chien que nous avions appelé Bill. Comme tous les chiens, Bill était un ami fidèle. Et si nous ne l'avions pas nourri, Bill nous serait tout va bien. Et si nous l'avions frappé, Bill nous serait tout de même resté fidèle. Alors si l'homme de couleur veut prendre sa place dans notre société, qu'il commence par faire de même. Juste une minute. Vous voulez qu'on se fasse arrêter tous les deux ? Chose d'apprendre que tu embrasses toutes les filles que tu peux bien croiser. Mais la petite Marie McCarthy et cet horrible Erin O'Malley? Oh, si ton père apprend ça, c'est déjà assez ennuyeux qu'ils doivent employer ces Irlandais. Oh, Frédéric, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Dernier client, on ferme le parc. On ferme le parc, tout le monde. Ouais, vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Hé, hey, faites attention, oh, je viens de nettoyer. Vous faites aussi du chou? Du chou? Je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien? Une pièce d'argent. Eh ben, très bien. Tenez, de l'argent. Voilà. Je te remercie. Tellement pressé, passez donc devant. Aucune idée. Je crois qu'il porte quelque chose. Il est avec. Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trop le temps, l'ami.
Bien compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Ne bougez pas! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Ne me touchez pas! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Je vais sortir! Faites-moi sortir tout de suite! Laissez-moi tranquille! Ne me forcez pas la main! Sortez les griffes, mon chaton! Elisabeth, où es-tu? Le faux berger est là. Ce n'est pas le jour annoncé, mais la prédiction du prophète est tombée juste, une fois de plus. Le sujet de notre mission doit être capturé vivant. Si elle meurt, l'oiseau nous le fera payer, et il n'aura pas la moindre pitié pour nous. C'était ma sixième cigarette. Je ne supporte vraiment plus d'attendre. Elle est où ? C'est pas vrai. À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs, les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu.
Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington, le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure. Laissez-moi tranquille. Hey, reviens par là! Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth... Vous êtes un monstre. Comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je l'ignore. Mais tu peux me croire. Si tu ne tires pas le premier, tu ne tireras jamais. Vous saignez. Venez. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est que le début, c'est ça? J'en sais rien. Là. Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. Yours and it's your solemn duty to keep them from our shores.
Le mémorial, bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges ? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'armée ? Expliquer aux enfants les bases du devoir, ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est de toi, ça ? Non. Tenez, de l'argent. Prenez ça. Oh. Fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable ? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. Regardez. C'est verrouillé. Sérieusement ? Ce tout petit verrou ? Et voilà. On dira qu'on s'est perdu en cherchant les toilettes. Et ça marche, ça ? En général, non.